les 100 jours du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboua, Kalokola Mongalibana. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Monsieur Liaou Eboua Jean-Pierre. L'heure n'est pas au discours, l'heure est à l'action. Le maître mot dans ce que nous allons faire ensemble, dans nos rapports, sera le dialogue. Dialogue, dialogue et encore dialogue. Sans se lasser jusqu'à trouver des solutions qu'il faut. Grâce au dialogue imprimé comme mot de gestion, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboua Kalokola Mongalibana, avait mis fin à la grève des agents et cadres de l'administration publique. Malembe, ma solution est comme mon nana. Toyokani, Nakosa la pas mon côté Sambino. Tous ensemble, Poto Pasola, Zela Yasika, pour l'administration Yasika, pour la Congo Yasika. Oyoki idéologie à mon compte. Le peuple d'abord. Awezali les agents d'abord. Ma kamonya Totorosa là, et ça d'abord pour la agent, pena ba cadre. Promesse faite d'enseigner, même pas sans embâche. Tout de suite là, le bureau, on ouvre de porte et puis nous entrons directement dans le bureau. On balaye, on poussette le tout. Demain, qui sait le même bande quoi? Oui, tout ça, il y a confiance parce que et là, il y a une bonne volonté là, qui c'est un dialogue. Pour construire ça, pour dialoguer. Naba collaborateur, naba Jean Nayo, il y a toujours une solution. Il nous a demandé de lui faire confiance et nous sommes censés de lui accorder la chance de travailler ensemble avec nous, comme il vient lui-même de dire que son premier cabinet, ce sont les agents et fonctionnaires de l'État. Amélioration des conditions de travail. Le VPM Jean-Pierre Liaou avait lancé les travaux de réhabilitation de l'aile centrale du bâtiment administratif à Kinshasa, dans la commune de la Gombe. À l'heure de la pause ou du lancement des travaux, je voudrais indiquer tout simplement que cette vision, comme ça a été dit, n'est pas la mienne. C'est la vision du président de la République de doter notre pays d'une administration publique qui soit véritablement à la hauteur de sa grandeur. Il est donc pour nous plus qu'un devoir d'agir, d'œuvrer dans le sens d'accomplir cette noble ambition de doter notre administration publique d'un environnement de travail assaini et approprié. Pour la matérialisation de la modernisation et digitalisation de l'administration publique, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou Eboua Kalokola Mongalibana, avait procédé à la remise des matériels informatiques aux secrétaires généraux de l'administration publique. Le gouvernement de la République porte l'ambition de dématérialiser l'administration publique. Et ça passe par l'informatisation de nos services. Et nous nous inscrivons dans ces processus, aidés, accompagnés par nos partenaires, notamment la Banque mondiale, à travers le PRAP. À côté de cet accompagnement, le gouvernement réaffirme sa volonté d'aller de l'avant, d'agir pour que demain, nous puissions être à même de matérialiser la vision du président de la République que je veux porter à travers le projet Un agent, un ordinateur. Ça va beaucoup nous aider. En plus, il nous a donné des kits pour faciliter notre travail. Avec le monde actuel qui est vraiment modernisé, nous devons supprimer les papiers et il a
pu concrétiser ça en nous donnant des kits informatiques. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, est pragmatique dans les actes qu'il pose. Il souhaiterait que le matériel informatique arrive effectivement à destination. Et par rapport aussi au message qu'il nous a donné sur la maîtrise des effectifs, je crois que on est dans les bons. Dans sa quête d'instaurer un climat de paix au sein de l'administration publique, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao avait entamé le processus de l'unification de l'INAP, l'intersyndicale de l'administration publique, jusqu'au résultat final, la réunification de l'INAP. La paix au sein de l'INAP, la réunification de l'INAP. L'INAP, à mon arrivée, était divisé. Il était donc essentiel pour moi, mais aussi pour vous, d'œuvrer pour que l'unité puisse à nouveau régner et que ce soit ensemble que nous puissions envisager l'avenir. Le VPM a été à la hauteur, tout le monde est d'accord avec ce que nous avions décidé aujourd'hui. Nous avions mis des points communs et à la prochaine réunion, nous allons décider, les membres du bureau, comme nous avions élargi le bureau pour chercher vraiment afin qu'il y ait la paix. Nous félicitons Son Excellence pour son arbitrage. Il est resté lui-même, il est resté de marbre, il n'avait pas de penchant. En tout cas, s'il continue avec nous dans cet élan, la réunification de l'INAP n'est que question de jours. Effectivement, il n'y a plus de sanctions. Nous sommes déjà dans l'unité. Et tel qu'a voulu Monsieur le vice-premier ministre. C'est un exploit. Un exploit. Systématiquement, ça, je confirme, un exploit. Parce que hier, il était impossible pour qu'on nous réunifie. Et nous disons ensemble pour la défense des agents des carrières de service public et de l'État. Ce n'était pas facile, mais nous sommes arrivés au point grâce aux bons offices de Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, le ministre de la Fonction publique. Cet événement, pour nous, restera indélébile dans nos mémoires et dans la mémoire collective de tous les agents et fonctionnaires de l'État. Dans le but de communiquer sur son plan d'action calqué sur la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, avait organisé une séance de restitution aux secrétaires généraux de l'administration publique. La vision a été communiquée. Vu par moi, les perspectives d'avenir ne se conçoivent qu'au travers de la maîtrise effective des effectifs. Maîtrise effective des effectifs. Parce que jusque-là, nous étions dans les credos. Nous devons entrer dans le concret. Il faut maîtriser les effectifs. Il faut prendre des décisions. Il y a des doublons, mais il faut arrêter avec les doublons.
Il y a des cumulards. Il faut arrêter avec ces cumulards. Il n'est pas normal qu'un fonctionnaire se retrouve à la fois aux mines, à l'énergie et aux finances. Il n'est pas normal qu'un né en droit, quand bien même fils aîné du Decoyus, d'un fonctionnaire de l'État, puisse hériter le numéro de statut de son papa sans aucune procédure. Il n'est pas normal qu'une nouvelle unité non encore admise sous statut puisse recevoir un salaire de base. Comment retrouve-t-on dans le fichier des milliers de nouvelles unités avec des salaires de base alors qu'ils ne sont pas encore admis sous statut? Comment de personnes qui n'ont pas de numéro matricule, donc qui ne sont pas admises sous statut, se retrouvent dans le fichier de la paye? Ce sont là autant de questions qui doivent, à mon sens, trouver des solutions. Dans le cadre du processus du rajeunissement de l'administration publique, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao avait procédé au lancement de la 7e vague de l'École nationale d'administration. Cela s'ajoute l'admission sous statut du lauréat de la 6e édition Etienne Tshisekedi Mulumba et leur reconnaissance dans les corps de l'administration civile. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao avait effectué une visite d'inspection au siège de la CNESAP dans la commune de Limété pour inspecter sur l'avancement des travaux du siège de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Le gouvernement que dirige le Premier ministre Samalou Kondé est déterminé à faire améliorer sensiblement le régime de la retraite dans notre pays. C'est le souhait du président de la République lui-même. Et je m'en réjouis de voir que les dispositions qui ont été prises dans le cadre de la construction donc, de ces bâtiments sont telles que la qualité d'accueil sera au rendez-vous. Grâce à un travail des fourmis et au contrôle effectué avec l'implication de tous les services, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao Eboa Kalokola Mongalibanin, avait présenté et obtenu les félicitations du Conseil des ministres sur le démantèlement dans les fichiers de référence de l'administration publique de plusieurs cas litigieux, faisant perdre au trésor public plus ou moins 20 millions de dollars américains par mois, soit environ 240 millions de dollars américains par an. Le Trésor public paye 20 millions de dollars américains chaque mois à des personnes qui n'existent pas ou qui ne travaillent peut-être pas. Cette information est arrivée au Conseil des ministres. Et c'est par vous, Jean-Pierre Liao. Nous avons essayé de travailler pour huiler la machine, accélérer les processus de contrôle en collaboration avec le ministère du budget à travers la direction de la paye, nous avons donc décelé des anomalies, des cas litigieux, notamment, comme vous l'avez indiqué, des cas de doublons, des personnes sans qualité, qui n'ont pas qualité d'agent public de l'État, mais qui se retrouvaient dans la grille, dans le fichier de la paye de fonctionnaires de l'État, des cumulards, une personne qui touche à la fois 2, 3, 4 salaires, et puis des personnes détenteurs de faux numéros matricules, traficotés, qui n'avaient aucun soubassement juridique avéré, mais aussi certains retraités continuer tout en étant retraité, toucher le salaire en tant qu'actif. C'est donc tous ces cas litigieux qui, mis ensemble aujourd'hui, nous ont permis de dégager cette marge budgétaire de plus ou moins 21 millions de dollars que l'État perd par mois, ce qui conduit à peu près à plus ou moins plus de 240
millions par année. Mais je souligne que ce chiffre est un tout petit peu sous-estimé parce que dès lors que nous irons jusqu'au bout, oui, nous allons capter les moyens que l'État perd toutes les années. Débuté il y a une année, la validation du document macro-processus qui vise l'installation des logiciels informatiques pour la maîtrise des effectifs et de la masse salariale a été réactivée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Cela avec l'implication des partenaires, experts nationaux et internationaux. Mandaté par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Pierre Liao Eboa, vice-premier ministre, avait effectué les déplacements de Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala, pour représenter le président de la République à l'ordination de l'évêque de Lissala, José Bernard Licolo. Tata Mokonde Akolo, à Tédibisson, pour la prière pour transmettre ma félicitation à Yé. Après si, nouvel évêque et à Lissala, Mokako Soa. Nous sommes là et à disponibiliser un canon rapide à Madame Yassika par rapport à la de la main et dans mon action de grâce pour la paix si dans ma boîte à l'ingui pour témoigner mon lingonaïe. Et pas une église, il y a un peu de monde, et pas il y a un agneau, sauf un peu de grand porteur. Après Lissala, où il avait représenté les chefs de l'État, au sacre de l'évêque Licolo, sur insistance de la population, Jean-Pierre Liao Eboa Kalokola Mongalibana avait effectué les déplacements de Bumba. C'est tout un peuple heureux de revoir. C'est lui qu'ils ont accordé le mandat d'élu du peuple, revenir sur ses terres natales en qualité de vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Merci Nzambe, parce que Yende a permettre de Tata Mokonde Kolo, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beto. Comme vice-premier ministre chargé de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public. Mettant à profit son séjour, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao avait conféré les jours suivants avec les syndicats des enseignants qui lui ont présenté les dysfonctionnements et les retards connus dans le paiement de leurs salaires. Les revendications à Binozali, bonsoir à listing originaux. Sachant que listing originaux, et l'incoloba à listing, tel que le ministère et la finance a foutu à Kounan Kinshasa. Pour qu'elle soit dans la cohérence avec Oyobino Bozozoa. Alors, à partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi vous allez punir nos enfants, Bafan dans la Bandako, Barate, Bakou, Nabango, pour un problème Oyobino même à la Moukongo. Bon, continuer grève, Tobo continuer terre, Tobo suspendre, Gana Rosalabé, Oyobino Nassar, Nabo changer terre. Après échange convaincu par l'argumentaire du BEPM, à l'unanimité, les syndicalistes ont accepté d'élever la grève et reprendre le cours. C'est là, après un mois de grève. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a aussi sensibilisé les fonctionnaires de l'État sur la vision du gouvernement Samalou Kondé et les réformes envisagées pour endiguer toutes sortes d'antivaleurs pour redorer l'image de la fonction publique. Bon, il y a un fonctionnaire à l'État, et c'est bien qu'il y a un fonctionnaire à l'État. Incongruité ou anomie, c'est-à-dire fictif à ceux à la payer, l'argent réel qui est là, qui travaille, à un pays.
Mandaté par le Premier ministre Samalou Kondé, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou s'était impliqué dans le processus du dialogue social jusqu'à la signature de l'accord mettant fin à la grève des médecins sur toute l'étendue de la République. La grève ne peut se justifier que lorsque le gouvernement refuse de rencontrer les préoccupations des grévistes. Mais dès lors que le gouvernement se montre disposé à discuter, à dialoguer et à rencontrer les préoccupations l'une après l'autre des grévistes, eh bien, en ce moment-là, on peut considérer que la grève n'a plus de raison d'exister. Et nous venons de signer l'accord avec la partie gouvernementale. De demain, les médecins vont reprendre les services habituels. Motivé et déterminé à matérialiser la réforme, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique avait accordé des audiences aux partenaires et plusieurs diplomates. La RDC peut compter sur l'appui de la France puisque nous partageons cette vision qu'il faut un État fort pour réussir les réformes. Deuxièmement, nous ne partons pas de zéro puisque nous avons réussi des réformes qui sont encore en cours mais qui peuvent être certainement, moyennant quelques ajustements, élargis. Et puis troisièmement, la France, évidemment, n'est pas toute seule. Elle mobilise d'autres partenaires, elle mobilise les partenaires européens et elle peut mobiliser d'autres partenaires qui interviennent à travers notamment des institutions financières comme la Banque mondiale, dont elle est un des membres éminents. Les actions menées durant les 100 jours par Jean-Pierre Liaou et Kale Kolamanga Libana, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, ont jeté les jalons pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à doter la République démocratique du Congo d'une fonction publique à la hauteur de sa grandeur.